Nothing can stop me, I'm all the way. Le constat est d'ordre général. On a plus de femmes qui évoluent dans le secteur informel que formel. Aujourd'hui, dans notre émission Gestion Trottoir, on veut recueillir vos avis. Alors, suivez-moi. Nothing can stop me, I'm all the way. Généralement, beaucoup de femmes se retrouvent confrontées dans le secteur informel parce que il manque de financement, quoi, en fait. Il y a les parents qui ne les supportent pas. C'est un peu ça qui pousse nos femmes, nos jeunes filles à se lancer dans le secteur informel, à abandonner les études. Pour moi, les femmes réussissent plutôt dans le secteur informel parce qu'il y a beaucoup de raisons. Tu sais déjà, je ne sais pas trop, mais souvent je vois certaines qui sortent dans une famille. Il y a la mère, elle est au marché. La fille, chaque fois, pendant les vacances surtout, elle passe au marché, passer du temps avec la mère et voir comment les choses se marchent. Et après, bon, beaucoup se lancent plus dans les activités de leurs parents que dans pour continuer l'école. Même pour faire un truc là, pour dire encore plus, il y a ma soeur. Ma soeur, par exemple, ma mère est commerçante. Elle a deux boutiques. Elle a dit qu'après qu'elle aimerait rester dans une de ses boutiques pour pouvoir bien l'aider à faire le petit bon. Selon moi, c'est pour ces raisons que les femmes arrivent plutôt à bien s'intégrer dans le secteur informel plus que dans le secteur informel. Comme si tu dois aller dans le dos, donc on se voit qu'il y a des potes et puis on se voit qu'il y a à se postuler et non côté on avait sur le soubou. Ma vie a essayé les trois et vu que j'en étais informé là. Bon, non, les habilités à commerce d'abord, nous les noirs et non, et non, et on est à Kakova. Bah, avec le temps et la trop et des deux chambres. Bon. Après, je suis allé à la maison. 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 Vous avez des notions de base en comptabilité. Vous êtes étudiant, professionnel en exercice ou chef d'entreprise. Du 10 juin au 9 août 2022, le cabinet d'expertise comptable KG Afrique Inc. Associates organise une formation 100% pratique en comptabilité audité fiscale. Ne ratez pas l'occasion de bénéficier d'un stage si vous êtes meilleur de la promotion et de renforcer votre capacité dans le domaine en étant plus efficient et plus efficace. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. Pourquoi les femmes évoluent-elles plus dans le secteur informel que formel? Ok, merci pour votre question. Selon moi, les femmes évoluent plus que dans le secteur informel, plus que dans le secteur formel, parce que quand je prends mon propre cas, c'est manque de financement. Parce que après mon bac, j'aimerais continuer les études, mais je n'ai pas pu continuer mes études. Pour certaines, parce que au fond, la foule est pour bandi, on l'a obligé là d'assister sous couloir. On l'a trop trouvé à les femmes évoluent le plus souvent dans les secteurs informels parce qu'il y a des femmes qui aiment vite et avoir de l'argent, quoi, qui ne veulent pas dépendre des hommes. Donc du coup, ils aiment vite à te prendre pour être indépendante. Donc, c'est pour cela, ceux qui évoluent le plus souvent, ce sont ceux qui sont retenus par leurs parents, qui sont encouragés par les parents, qui ont de la possibilité, quoi, et qui veulent étudier pour un avenir meilleur. Merci. Il
Nous refermons cette émission sur cette note d'indépendance financière de notre dernier intervenant. Abonnez-vous à nos différentes pages Facebook, YouTube, Instagram. Merci pour cette confiance sans cesse renouvelée.